Ok. Donc, bonjour à tous. Bienvenue au Billet Talk du mois de mars. Nous avons pour orateur aujourd'hui Monsieur Koudjo Kedi-Sename qui va nous entretenir sur le thème du data storytelling. On va essentiellement faire le focus sur les principes d'une présentation effective de données. Donc, je pense qu'on parlera entre autres de qu'est-ce que la donnée, comment présenter la donnée, quelle est l'histoire qu'il faut raconter derrière une donnée, quelles sont la compréhension qu'on doit avoir à la fin d'une analyse de données. Donc, pour cela, je vais présenter notre orateur et ensuite, on va passer au BI Talk proprement dit. Donc, qui est Monsieur Kedi Koudjo-Sename? Il est titulaire d'un Master 1 en audit et contrôle de gestion après un DUT en finance et comptabilité. Il a commencé sa carrière en tant qu'agent des opérations, puis responsable d'une représentation de la banque auprès d'une société industrielle, avant d'accéder à la fonction de compliance officer en 2017 pendant un peu plus de 3 ans. Donc, c'est à cette fonction qu'il a découvert l'analyse de données et qu'il a commencé par se former entre autres avec l'IBM Data Science Professional Certificate sur Coursera. Ensuite, en 2020, il a été promu au poste de business analyst au sein de EcoBank Togo, où il suivait principalement les activités de la banque des particuliers, en prenant en charge des projets comme la recherche de la rentabilité financière par l'optimisation des charges et aussi l'analyse des données de différents segments clientèle et la mise en place des tableaux de bord de gestion et de reporting. Donc, en 2021, il a quitté le monde de la banque pour rejoindre les organismes internationaux tels que le HCR, où aujourd'hui il est analyste paiement sur un projet de mise en place de tableaux de bord de reporting opérationnel et financier sous Power BI et d'analyse des transactions de dons par carte de crédit en ligne sur lequel il travaille actuellement. Désolé pour la petite coquille. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur Kedi Koudjo-Sename. Et je profite en même temps, avant la fin, avant de lui laisser la parole, de vous faire une présentation des prochains billets Talk. Donc, pour le mois de mars, aujourd'hui, on a le thème sur le data storytelling. Et le mois prochain, en avril, on aura Kevin Kanga qui va nous entretenir sur le business analyst dans un contexte agile. Donc, vous pouvez vous inscrire dès à présent. J'ai mis le lien d'inscription dans le chat. Donc, ça sera tout pour moi. Du coup, je vais arrêter le partage et je te laisse la parole, Sénamé. OK. Merci, merci Nadège. Je pense que tout le monde a mon écran. OK, c'est bon, on arrive à voir ton écran. Ok, parfait. Alors, la présentation a déjà été faite. Le sujet de la discussion de ce soir, c'est le data storytelling. Donc, il n'y a pas l'équivalent proprement dit qui a été trouvé en français. Donc, on a gardé le mot, mais c'est comment raconter une histoire à travers une présentation de données. Nous allons d'abord établir le contexte. Alors, je pense que plein de participants ont un rôle de business analyst ou savent ce que c'est que le business analyst. Mais pour établir le contexte, je vais d'abord dire que le business analyst, c'est d'abord une fonction, un métier en tant que tel clairement défini. Et que la portée de la présentation de ce soir, ce n'est pas de dire qu'est-ce que c'est que le business analyst, mais l'analyse des données est une des parties du travail que fait le business analyst. Donc, nous allons prendre juste une partie, définir le rôle là que le business analyst fait et nous focaliser sur comment il déploie cet outil-là ou cet arsenal qui fait partie de la panoplie d'éléments qu'elle a.
J'ai envie de dire, excuse-moi, merci pour cette précision. L'analyse de données fait partie du métier de business analyst, mais le business analyst n'est pas un data analyst. C'est très Voilà. important. Voilà. Donc, il va au-delà de ça. L'analyse des données n'est qu'un des outils que le business analyst utilise. Alors, je dis ici que le business analyst apporte une valeur ajoutée à une entreprise en utilisant ses compétences en analyse de données pour améliorer les opérations et les performances de l'entreprise. Alors, comme on l'a déjà dit, ce n'est que une partie de ce qu'il fait. Alors, quels sont les outils qu'il utilise dans ce rôle? Il identifie les opportunités d'amélioration. Il cherche à comprendre les besoins de l'organisation. Il collecte et analyse les données. Il communique les résultats de ses analyses et il initie l'élaboration de nouvelles stratégies, initier de nouveaux projets sur lesquels il travaille avec un project manager, un product owner, ainsi de suite. Alors, nous avons mis en évidence deux points, la collecte et l'analyse des données, la communication des résultats des analyses. Ce sont ces deux points-là qui vont nous intéresser ce soir. C'est pourquoi ils ont été mis en avant. Alors, pour commencer cette présentation, je voudrais partager avec vous cette pensée de Edward Tufte, qui a été décrit par le New York Times comme le Léonard de Vinci des données. Donc, cette pensée va nous servir de fil conducteur au cours de cette présentation. Nous allons y revenir souvent, voir, parler, faire des références, revenir sur cette présentation, sur cette pensée-là, souvent. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est un professeur américain, professeur des statistiques. La pensée nous dit que la clarté et la simplicité sont des objectifs totalement opposés. La clarté consiste à rendre quelque chose compréhensible, alors que la simplicité consiste à réduire la complexité irréductible d'un ensemble de données. Je vais répéter. La clarté et la simplicité sont des objectifs totalement opposés. La clarté consiste à rendre quelque chose compréhensible, alors que la simplicité consiste à réduire la complexité irréductible d'un ensemble de données. Alors, il continue en disant que presque toujours, le travail le plus difficile et crucial pour présenter des informations est accompli bien avant la conception des graphiques. Et l'ingrédient le plus important, termine-t-il en disant, c'est d'une présentation graphique, ce n'est pas sa surcharge d'ornement ou bien la conception graphique ou son encre de données, mais les données elles-mêmes et le message qu'elles contiennent. Donc, je vous demande de garder cette pensée-là en tête, parce que nous allons y faire référence tout au cours de la présentation. Alors, notre présentation va se subdiviser en six parties. Les deux premières parties seront des parties théoriques. Nous allons voir comment maîtriser son audience, comment organiser ses idées. Nous allons introduire des concepts, nous allons voir la théorie. En troisième partie, nous allons voir comment choisir la visualisation où nous allons faire de la pratique. En quatrième partie, ordonner la visualisation, nous allons revenir encore à des théories. Et en cinquième partie, nous allons faire de la pratique qui résume l'ensemble de tout ce que nous aurons vu au cours de la présentation, pour finir par la sixième partie où nous allons avoir des références bibliographiques pour pouvoir étendre sur le sujet, parce que bien évidemment, le sujet de data storytelling ne peut pas être couvert en 1h30. Voilà ce que nous allons voir ce soir. Je pense que tout le monde est bien assis, bien au bord pour pouvoir décoller. Une petite précision, quelque part au cours de la présentation, nous allons nous arrêter, créer une société, nommer un business analyst et nommer des gens qui sont volontaires pour être dans l'exécutif et l'actionnariat, parce que nous allons faire notre pratique avec ces personnes-là. Donc, bienvenue à bord et puis on est prêt pour le décollage. On peut aller s'il n'y a pas de questions.
C'est parfait. Je pense que ce sera une session très interactive. Merci beaucoup. Je pense que tu peux commencer. D'accord, merci. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première partie, la maîtrise de l'audience. Nous savons que le focus que nous avons dans cette présentation, c'est l'analyse des données et la présentation. Alors, pourquoi nous analysons les données? C'est parce que nous voulons comprendre ce que les données nous disent au sujet de notre organisation. Mais nous voulons aussi découvrir des éléments, des idées cachées pour nous permettre de prendre des décisions. Alors, l'analyse de données, d'une manière générale, comprend deux types d'analyse. Il y a ce que nous appelons l'analyse exploratoire des données, qui est faite avec l'idée en tête suivante. Qu'est-ce que nous avons sur les données? Nous interrogeons les données. Qu'est-ce qu'il y a de récurrent? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Quel est l'élément ou bien les réponses cachées à propos du problème que nous tentons de régler? C'est ce que nous recherchons dans l'analyse de données en faisant l'analyse exploratoire. Alors, l'objectif de cette analyse, c'est de comprendre et résumer les caractéristiques principales de l'ensemble de données. De l'autre côté, nous avons l'analyse explicative des données. Et cette analyse explicative, elle est faite avec principalement deux questions en vue. Quelle est notre audience et quelle action voulons-nous initier? Ce sont les deux questions avec lesquelles nous abordons l'analyse explicative. Alors, l'objectif défini à l'analyse explicative des données, c'est de fournir des explications et des prévisions utiles pour la prise de décision. Bien évidemment, les deux types d'analyse sont complémentaires, mais notre focus aujourd'hui sera sur ces deux questions de l'analyse explicative. Quelle est notre audience et quelle action nous voulons initier? Alors, nous sommes tous d'accord que les facteurs qui influencent le plus une visualisation, ce ne sont pas les facteurs techniques, mais ce sont des facteurs contextuels et par là, des facteurs humains. Juste parce que les destinataires finaux de l'analyse ou des visuels que nous allons présenter, les destinataires finaux sont des humains. Et les humains, on est tous d'accord là-dessus, ils sont non seulement différents, mais ils sont complexes aussi. Alors, pour en revenir sur notre focus sur l'audience et les actions, qu'est-ce que nous devons retenir comme élément important dans l'audience et les actions pour pouvoir nous permettre de présenter efficacement les données? Intéressons-nous d'abord à l'audience. Le premier point, il s'agit d'identifier quel est l'élément important pour cette audience-là et qu'est-ce qu'ils veulent atteindre comme objectif. Ici, par exemple, ce que nous voulons atteindre comme objectif en participant aujourd'hui à ce BA Talk, c'est de pouvoir avoir la maîtrise de la présentation effective de nos données. Donc, quand vous voulez présenter un rapport, vous voulez faire une analyse de données, vous voulez faire un dashboard que vous voulez mettre à l'utilisation de vos utilisateurs, vous devez savoir quels sont les éléments importants pour ces utilisateurs et quels sont les objectifs qu'ils ont à atteindre. En second point, pour votre audience, quels sont les fondamentaux que l'audience a sur la question, sur lesquels il ne faut pas s'attarder, ou bien quels sont ces détails-là qui peuvent être superflus, et bien évidemment, quelles sont ces choses-là qu'ils ne connaissent pas déjà, sur lesquelles il faut mettre l'emphase. Je vais te donner juste un exemple aujourd'hui. Ici, je ne me suis pas attardé sur le business analyst ou la fonction, parce que c'est un préalable que nous savons que vous connaissez déjà. C'est la même chose. Quand vous voulez faire un dashboard, un rapport d'analyse de données, vous devez savoir ce qui est déjà connu par votre audience, sur lequel vous n'avez plus besoin de mettre l'accent au point de paraître superflu. Et vous devez savoir aussi ce qui n'est pas connu pour mettre l'emphase dessus. Le troisième point pour l'audience, quelle est la relation antérieure que vous avez avec cette audience? Et quelles sont les préférences ou les idées préconçues qu'ils ont qui devraient les rendre enclins à supporter votre idée ou bien au contraire être réfractaires ou bien difficiles à convaincre. Alors,
Ici, par exemple, vous êtes dans une société, vous connaissez les commerciaux, vous connaissez les financiers, vous connaissez les opérationnels. Vous savez la relation qu'ils ont avec telle ou telle idée. Ce sont des choses que vous devez écrire, définir, pour savoir dans quelle direction vous devez envoyer, vous devez orienter votre analyse. Quelle relation vous avez avec eux? Est-ce que ce sont des gens qui sont au même niveau que vous? Est-ce que ce sont des gens à qui vous reportez? Est-ce que ce sont des gens à qui vous pouvez donner en toute confiance des directions? Ce sont des choses qui sont importantes à prendre en compte. Le ton à adopter, le ton de la communication aussi est très important. Est-ce que vous êtes en train de faire un tableau de bord pour réorienter un projet qui est en cours? Vous avez une usine à construire, vous avez fait le benchmarking, vous avez collecté des données et vous voulez redonner une direction à ce projet-là. Ce n'est pas le même ton que vous allez donner que si vous arrivez en fin d'année et les résultats financiers sont bons. Vous voulez mettre en place une analyse. Vous avez fait une analyse de données pour faire le récapitulatif de ce qui a été fait pour célébrer votre réussite. Ce sont deux tons différents. Alors, enfin, pour l'audience, quel est l'intérêt en jeu? Alors, quel est l'enjeu? Ou bien qu'est-ce qui est en jeu pour la part de l'organisation que votre audience a sous sa responsabilité? Est-ce que votre présentation impacte directement le cœur de leur métier? J'ai vu ça souvent en entreprise. D'une manière générale, qu'est-ce qui est recommandé? Il faut un tableau de bord pour les commerciaux, un tableau de bord pour les opérationnels, un tableau de bord pour les financiers, même un tableau de bord pour les décideurs. Ou une vue globale. C'est effectivement parce que l'enjeu est différent par rapport à où vous vous trouvez dans l'organisation. C'est ce qui fait qu'il faut avoir, il faut pouvoir toucher le cœur spécifique du métier de la personne pour pouvoir attirer son attention sur ce que vous avez fait comme travail. Alors, nous avons vu ce qu'il faut pour capter votre audience. En termes d'action, qu'est-ce que nous devons prendre en compte? Premièrement, la clarté sur ce qu'il doit faire ou ce qui doit être fait à la suite de la présentation. Vous devez être clair sur ce qui est, comme disent les Anglais, le next step. Vous devez être clair sur ce que vous voulez faire prendre comme direction à la suite de votre présentation. Ne rien assumer. Ça veut dire que vous ne pouvez pas assumer que ceux à qui vous vous adressez, ils sont mieux informés sur le sujet que vous. Bien évidemment, un responsable opérationnel qui est responsable de la section magasin de la société, par exemple, où vous vendez des pièces détachées, qui sort les pièces détachées, il est bien au courant, bien au fait de la sortie et entrée des pièces détachées. Mais il n'est pas plus informé que vous sur les données et l'analyse que vous en avez faites. Donc, vous ne devez pas assumer qu'il a déjà cette connaissance-là. Vous devez vous exprimer en toute confiance et laisser votre idée parler. Le troisième point, vous devez guider la réflexion. Ce que nous devons éviter, c'est la réflexion non guidée. Ne pas laisser les gens en l'air. Il faut canaliser leur esprit dans une certaine direction, en toute confiance, parce que les chiffres vous ont parlé. Et comme on dit toujours, les chiffres ne mentent pas, les données ne mentent pas. Donc, vous devez canaliser votre audience dans une certaine direction. Le quatrième point, suggérer des actions. Alors, ici, ce qu'on peut dire, c'est que ça dépend du contexte dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes un business analyst qui présente le fruit de son analyse aux exécutifs, au C-level, par exemple, il se peut que les actions que vous allez suggérer peuvent être sujettes à des contraintes budgétaires, des contraintes de politique même, des contraintes managériales même de la part du dirigeant d'entreprise. Et que peut-être que ce n'est pas le lieu pour vous de suggérer des actions. C'est un contexte différent. Mais si vous êtes à un niveau où vous vous adressez à des opérationnels, à des gens à qui vous êtes en liberté de donner une direction, il faut suggérer des actions en toute confiance afin de ne pas laisser les gens dans le flou.
Et la dernière considération à prendre en compte en termes d'action, c'est le contexte. Alors, est-ce que c'est un document ou bien c'est une présentation que vous êtes en train de faire? Si l'analyse, votre analyse, doit être compilée sur des documents et un PDF que vous envoyez par mail aux gens à lire, ou c'est une présentation en direct comme nous sommes en train de le faire ici, il y a une différence. La différence entre les deux, c'est vous. Dans la présentation, vous êtes là pour donner du contexte, pour donner des détails, pour rétablir le contexte de telle ou telle chose. Alors, ça veut dire que dans un document, vous devez donner plus de détails, vous devez donner des contextes pour que quelqu'un n'ait pas à consommer le document et se dise, qu'est-ce que j'ai à tirer comme information ici? Qu'est-ce que j'ai à relever comme information ici? Qu'est-ce qu'il veut concrètement dire ici? Voilà un peu pour cette première partie, ce que nous devons prendre en compte pour la maîtrise de notre audience en termes de présentation des résultats de notre analyse. Alors, bien évidemment, ce que nous voulons faire à la suite de notre analyse, c'est véhiculer des idées, véhiculer une idée ou bien des idées à la suite de notre présentation. Alors, c'est la transition toute trouvée pour la deuxième partie qui nous amène à parler de l'organisation de nos idées. Au point de comment organiser ces idées. Nous commençons avec cette pensée de Nancy Duarte. Nancy Duarte est une consultante en communication, une américaine consultante en communication. Qu'est-ce qu'elle fait? Son travail, en fait, c'est. Je donne un exemple. Vous avez Google qui a Google Chrome comme produit, qui sort un nouveau produit, un nouveau navigateur, qui dit OK, ils viennent voir Nancy Duarte pour dire que nous avons sorti un nouveau navigateur. Voici ce qu'il y avait, voici ce que nous avions en bas, voici ce que les concurrents ont. Voici notre charte graphique. Voici ce que le nouveau produit que nous avons propose de plus. Alors, fais-nous une présentation pour annoncer ce produit-là au public. Donc, c'est ce qu'elle fait, c'est ce que sa firme fait. Elle est consultante en présentation. Alors, elle nous dit ici qu'une présentation réussie est un mélange d'art et de science, qu'elle doit être à la fois bien structurée et élégante. Alors, cela va de soi. L'idée ici, c'est de savoir comment structurer notre pensée en une suite hiérarchisée d'idées cohérentes afin de mieux faire passer notre message. Parce que tout visuel que nous plaçons sur un tableau de bord véhicule un message, véhicule une idée. Il y a une idée derrière le visuel. Alors, nous devons bien maîtriser ce que nous voulons faire passer comme message et dans quel ordre d'idées nous voulons faire passer le message. C'est ce qui doit nous permettre de bien choisir quel type de graphique ou de table peut mieux exprimer notre idée. Parce que nous devons garder à l'esprit que ce que nous voulons éviter, c'est la réflexion non guidée. Comme on l'a dit, comme nous l'avons dit vu tout de suite précédemment, c'est que nous devons absolument éviter de juste jeter des données sur une présentation ou un document et espérer que le message passera de lui-même. Donc, la clarté autour de l'idée principale et des points saillants à retenir doit constituer le soubassement de notre présentation. Ceci nous ramène bien évidemment à la notion de clarté que nous avons dans le fil conducteur de la pensée d'Edward Tufte avec lequel nous avons commencé la présentation. Comme je l'ai dit, nous allons faire référence beaucoup à cette pensée-là. Alors, la structure des idées, l'organisation des idées, comment elle se fait? Elle se fait en quatre étapes. D'abord, il nous faut définir un objectif. Vous devez savoir où vous allez avec votre présentation. Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous avez en tête? Vous devez le crier, le coucher, le savoir en blanc et noir. En deux, vous devez identifier les points clés. Si je pars de Abidjan pour aller à Boaké, je vais donner les exemples du contexte ivoirien, puisqu'on est dans le chapitre ivoirien. Vous devez savoir si vous voulez partir par Abengourou ou vous voulez passer par Daloa. Je donne des exemples juste comme ça. Et si ça ne correspond pas, ne m'en tenez pas rigueur. Donc, vous devez identifier les points clés. Où est-ce que, quels sont les points qu'il y a sur le chemin? Où est-ce qu'il faut aller? Où est-ce qu'il faut passer? En troisième point, vous devez utiliser un plan. Cela va de soi.
Sans plan, on est perdu. Vous devez avoir un plan qui vous guide suivant où il faut aller avant d'aller où. Et enfin, en quatrième point, choisir les supports visuels. Je fais référence encore une fois à la pensée avec laquelle nous avons commencé. La pensée disait que le travail le plus important est fait bien avant la conception des graphiques et des visuels. Comme vous l'avez vu ici, il y a trois points importants qui passent avant même de choisir le support visuel. Donc, le dernier point est le choix du support visuel. Bien évidemment, cette méthode s'applique aussi bien aux documents écrits qu'à une présentation. Le dernier point nous offre la transition toute trouvée pour la troisième partie de notre présentation, qui est le choix de la visualisation. Comment choisir la visualisation? Alors, à cette phase, nous savons à qui nous voulons communiquer, nous savons ce que nous voulons transmettre comme message et les actions que nous voulons les inciter à prendre comme résultat de nos présentations. Nous maîtrisons notre idée ou bien nos idées et leur agencement. On est d'accord. Alors, la prochaine étape est de savoir quel type de visuel peut exprimer de la manière la plus efficace possible notre idée. Je répète, quel type de visuel peut exprimer de la manière la plus efficace possible notre idée. Alors, en général, la première question qui nous vient à l'esprit dans ce genre de cas, c'est de choisir entre un tableau et un graphique. Mais est-ce que, ça, je pose la question, j'aimerais bien avoir deux ou trois interventions pour savoir qu'on est tous ensemble au même diapason. Est-ce qu'il est possible d'avoir une situation où le choix peut ne pas être un tableau ou un graphique? Est-ce qu'il est possible? Si je peux avoir deux interventions, ça me fera plaisir. On est ensemble? Oui, on Oui, est ensemble. oui. OK, Parfait. on a. Bon, est-ce qu'il est possible d'avoir une situation où le choix du graphique à utiliser peut ne pas être un tableau ni un graphique? Pendant que les interventions sont en train de passer, on va créer notre société rapidement. Si quelqu'un a parlé, la personne peut parler. Je veux juste deux interventions. OK, moi je vais réagir, hein, Stéphane Guessant. Oui. De mon côté, je pense que c'est un peu difficile. J'essaie de fouiller un peu dans les recoins de ma tête, mais je me trouve toujours dans la situation d'un tableau, dans la situation d'un graphique. J'ai pensé peut-être à une carte, mais une carte, c'est quand même un graphique. Donc, Oui, pour c'est un moi, graphique, une carte. voilà, c'est difficile. Donc, pour moi, je ne pense pas. Il peut y OK. avoir, mais je n'ai pas encore trouvé dans les recoins de ma tête. OK. D'accord. Une seconde intervention. Ou bien si la personne partage, si tout le monde partage la même idée, on peut continuer. Hein. Il n'y a personne qui est contre. D'autres intervenants, d'autres propositions? Bon. Bon, on va aller. Donc, OK. avant de revenir répondre à la question, nous allons créer une société, on va la nommer IBASA, on va faire facile. Hein. Elle est installée en Côte d'Ivoire. Elle fait dans l'import-export de café et cacao. On va faire très facile. Café et cacao, qu'elle achète chez des producteurs un peu partout sur le territoire et qu'elle revend à des clients un peu partout sur le marché mondial, en Asie, en Europe, aux Amériques. Voilà. Nous nommons Nadège notre business analyst. Tu C'est acceptes? bien noté. S'il Okay. n'y a pas de souci, j'accepte. D'accord. Alors, à la suite, nous avons terminé notre année 2021. On a déjà fait une analyse de nos revenus. Elle a trouvé que en 2020, le cacao représentait 34% de nos revenus. Et en Sénamis, si tu partages quelque chose, on ne voit pas. Je ne sais pas Oui, si les non, je ne chiffres. suis pas encore en train de partager. D'accord, OK. Elle a trouvé que le cacao représentait 34% de nos revenus en 2020 et 74% en 2021. Et elle voudrait nous montrer le résultat de cette analyse-là. Donc, c'est pour vous revenir répondre à notre question. Alors, ce que j'ai dit tout de suite, c'est ça. 2020,
le cacao représentait 34%, en 2021, il représentait 74%. Donc, le résultat peut être fait dans un tableau ou dans un graphique. Il s'agit de la même information sur les deux cas. Mais je peux dire que oui, on peut présenter une information sans que ce soit ni un tableau ou un graphique. Alors, il s'agit toujours de la même information. On est d'accord? Que Oui, tout à dans fait. les trois cas, il s'agit toujours de la même information. Mmh. Ouais. Voilà. Alors, il y a une technique qui a été utilisée ici, que nous, sur laquelle nous allons revenir après. Mais ce que je veux dire, mettre en évidence, c'est que si vous avez un ou deux points à présenter, la précision est importante. Si c'est juste un ou deux points à présenter, juste déclarer ce que vous allez à présenter est la manière la plus efficace de la présenter. Parce que ici, tout le contexte autour de 74% a été fait. Nous n'avons pas à poser d'autres questions. On est d'accord? On peut OK. continuer? Donc, pour résumer, ça veut dire que si on a deux variables, l'essentiel est de faire le focus sur la variable la plus importante. Voilà. OK. Parce que ce que vous voulez que l'audience capte, en fin de compte, c'est les 74%. Et donc, pour intervenir, ça peut être du test, mais présenté autrement. Voilà. OK. Parfait. On peut aller? Oui, parfait. D'accord. Alors, maintenant que ce contexte est établi, nous allons revenir au choix original. Ça veut dire, en général, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le choix entre un tableau et un graphique. Alors, dans le tableau et le graphique, il faut que nous identifions d'abord notre objectif avant de passer au choix. Alors, ce que nous allons voir ici, c'est sur quels critères nous allons baser nos choix. La première chose, est-ce que nous voulons montrer une valeur exacte, est-ce ou bien nous voulons montrer des corrélations? Dans ce cas, les tableaux permettre de mettre en exergue une valeur exacte, alors qu'au même moment, les graphiques permettent de montrer les corrélations entre des valeurs. Donc, c'est en ayant en tête ce que nous voulons faire que nous pouvons guider notre choix dans ce sens-là. En second point, est-ce que nous voulons mettre en avant des précisions ou bien des tendances? Les tableaux permettent de pointer des valeurs précises dans un intervalle de valeurs, alors que les graphiques permettent de mettre en évidence des tendances ou des relations entre des valeurs ou des catégories. En troisième objectif, est-ce que nous avons des unités de mesure ou des dimensions à présenter? Les tableaux permettent de montrer différentes dimensions, comme le total, la variance et le pourcentage. Ça va de soi que vous ne pouvez pas mettre des variations. La variance, le total et le pourcentage sur une courbe, par exemple. Alors, les graphiques, par exemple, sont plus adaptés au maximum pour deux dimensions d'une catégorie de données. Et enfin, est-ce que nous avons des données résumées ou des détails? Les tableaux sont plus adaptés pour donner des détails sur une catégorie. Vous pouvez le chiffre d'affaires mensuel, annuel, trimestriel, vous pouvez les avoir dans un tableau, alors que les graphiques sont mieux pour mais sont mieux pour des données résumées. Il serait difficile de mettre sur une courbe, par exemple, les revenus mensuels ainsi que les revenus annuels, par exemple. On est d'accord. Alors, voilà les critères qui doivent nous guider dans le choix entre un tableau ou un graphique. Une autre distinction importante à prendre en compte, c'est que les tableaux interagissent avec le système verbal du cerveau. C'est important. Les tableaux sont lus, alors que les graphiques sont traités par le système visuel du cerveau. Les tableaux sont vus, les graphiques sont vus et non lus. Ce qui fait que la différence, c'est que les graphiques sont ingérés plus rapidement que les tableaux. Ça implique que dans une présentation, par exemple, quand vous mettez un tableau avec plusieurs données, votre audience peut lire le tableau ou vous écouter. La proposition est importante, lire le tableau ou vous écouter, mais en aucun cas, elle peut faire les deux.
Faire les deux simultanément, non. Donc, une astuce dans ce cas-là, par exemple, c'est de mettre de grands tableaux avec des chiffres bien visibles. C'est que d'une manière ou d'une autre, ça c'est une combinaison, d'une manière ou d'une autre, vous transformez le tableau en graphique, en fait. Mettre de grands tableaux avec des chiffres bien visibles. Alors, parce que, qu'est-ce qui se passe? Le système visuel du cerveau opère plus rapidement et souvent même avant même qu'on ne s'en rende compte. Donc, l'audience peut regarder un graphique, l'ingérer et puis juste suivre au même moment. Regarder le graphique, l'ingérer, ingérer l'information que le graphique présente et vous suivre au même moment. Ça lui permet de faire moins d'efforts pour comprendre les messages qui est véhiculé. Alors, ceci nous amène à présenter un autre contexte, un contexte utile dans le choix des visualisations que nous appelons le contexte de la hiérarchie visuelle. Alors, est-ce que vous avez été guidé vous aussi par l'écrit? Est-ce que vos yeux ont effectivement commencé par lire la première ligne, ensuite la deuxième et la troisième ligne? Si je peux avoir des réponses, est-ce que c'est effectivement que vous avez été guidé, comme ça que vous avez été guidé? On est Moi, ensemble? je... Oui, je Ouais, réponds oui. d'accord. Alors, ce qui a été utilisé ici, c'est le concept de la hiérarchie visuelle. C'est un concept qui est beaucoup utilisé dans le design graphique. Ceux qui sont dans le graphisme connaissent ça. Donc, ce concept se réfère donc à la manière dont les éléments visuels sont organisés dans une visualisation pour permettre aux utilisateurs de comprendre et de traiter les informations de manière efficace. Donc, la hiérarchie visuelle est organisée en niveaux, qui fait qu'on va de l'élément général, par exemple la catégorie globale d'un ensemble de données, à l'élément spécifique, par exemple une sous-catégorie ou bien un point de données individuel. Alors, les éléments sont organisés en fonction de leur niveau dans la hiérarchie, de telle sorte que les éléments les plus importants sont présentés en premier et les éléments les plus détaillés en dernier. Alors, comme je l'ai dit, c'est un concept, c'est de la théorie. Je sais qu'on vole un peu haut, mais faites-moi confiance, on va atterrir sainement. Alors, la hiérarchie visuelle est réalisée grâce à cinq éléments principalement: la taille, la couleur et le contraste, la typographie basée sur la structure titre, texte, sous-titre, c'est ce que nous utilisons tout le temps, l'espacement ou bien la composition. La composition, c'est l'ensemble de tous ces éléments-là, c'est ce qui a été utilisé ici. Aussi bien la couleur, le contraste, l'espacement et la taille. Alors, je ne sais pas si il y a des gens qui travaillent dans le marketing digital ici. Il y a Mailchimp. Mailchimp, c'est une solution qui permet d'automatiser l'envoi des mails des campagnes de marketing et tout. Donc, il y a Aaron Walter, qui est le responsable du design chez Mailchimp, qui dit que si tout dans un visuel essaie d'accaparer l'attention de votre auditoire, plus rien n'est entendu. Nous allons juste illustrer ce concept par un exemple. Regardez par exemple ce visuel. Notre idée est balancée de gauche à droite parce que toutes les couleurs nous appellent. Il s'agit peut-être de chiffre d'affaires mensuel d'une société qui va et descend, qui suit des cours. Mais regardez la même information présentée autrement. Notre idée est pointée directement ici, qui nous permet de nous poser la question, de pouvoir poser la question, pourquoi il y a eu une hausse subite, pourquoi il y a eu une descente? Parce que notre attention a été dirigée vers un endroit précis, bien que ce soit la même information qui a été présenté. Alors, nous allons voir comment le concept est appliqué aussi bien dans la conception des tableaux que dans la conception des graphiques. Nous allons commencer d'abord par la conception des tableaux. Alors, je commence cette partie-là avec Edouard Teuf. Edouard Teuf va nous suivre beaucoup parce que c'est le gourou de la visualisation des données. J'introduis une de ces pensées qui dit que l'efficacité d'une visualisation dépend de la quantité d'encre nécessaire pour communiquer l'information. Nous allons garder la pensée là-bas pour l'avoir en tête. Supposons que, suite à la communication des 74%, Nadège vienne
veuillez nous communiquer plus de détails sur ces 74% pour nous, en nous présentant par exemple les chiffres des 6 premiers mois de l'année 2020, de l'année 2021 sur 3 variétés de cacao pour expliquer la hausse. Elle nous présente pour ce faire ce tableau-là. Alors, est-ce que nous avons un problème avec ce tableau? Le tableau est bien fait et bien agencé. Il n'y a aucun souci. Alors, mais est-ce que quelqu'un a une remarque particulière à faire sur le tableau au regard de tout ce que nous avons à faire actuellement? Tout ce que nous avons vu jusque-là. Oui, moi je peux Oui, intervenir. il n'y a pas de souci, avec plaisir. De prime abord, je dirais que j'ai du mal à lire le tableau. J'ai une difficulté à savoir lequel des produits, si vous voulez, ici a vraiment une marge par rapport à l'autre. Je suis obligé d'aller fouiller et voir sur quel mois exactement il y a eu plus de hausse par rapport à un produit par rapport à un autre, en fait. OK. Au-delà de ça, en fait, ce que je voulais mettre en avant, c'est en me référant à la pensée d'Edward Tuff, c'est que l'efficacité, il dit que ça dépend de la quantité d'encre nécessaire pour communiquer l'information. Alors, ici, il y a quelque chose que nous appelons les éléments de support. Les éléments de support, c'est les éléments qui ne sont pas des données. Par exemple, le noir qui est derrière ici, les traits qui passent par les traits de séparation. Alors, reprenons ce même tableau-là que Nadège nous présente sous une autre forme. C'est le même tableau, ce sont les mêmes informations. Est-ce que le choix est clair pour vous? Le second tableau, est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce que le choix est clair? Est-ce que vous pensez que le second tableau qu'on véhicule mieux le message? Oui, c'est plus correct là, OK. avec le rouge qui apparaît Alors, qu'est-ce qui a été fait? Le tableau a été épuré, comme le demande la citation d'Edward Tuff du début, a été épuré des éléments non importants pour laisser les données s'exprimer. Et ce qui veut être communiqué en premier a été mis en exergue comme le revenu par variété de cacao. Nous lisons clairement ce qui veut être communiqué. Alors, toujours sur les tableaux, si on veut aller de l'avant, il y a quelque chose que nous faisons généralement. Si on doit ajouter des totaux, nous mettons les totaux en gras. En général, c'est ce que moi-même je le fais, c'est ce que tout le monde fait. Mais il y a une autre technique. Par exemple, ici, qu'est-ce qui a été fait? Il y a un espace de plus qui a été ajouté entre le total et le dernier mois. Cette technique dérive du principe de Gelstad, que nous allons voir un peu plus loin, qui fait que le cerveau humain tend à faire des associations. Le cerveau sait que ici, c'est un bloc d'information. À cause de l'espace, il sait que ici, c'est un autre bloc d'information. Et ici aussi, c'est un autre bloc d'information. Donc, il s'agit là de petites techniques pour nous permettre d'être plus efficaces. Parce que le gras ici, par exemple, je n'ai pas dit que, nous ne disons pas que forcément le gras est mauvais, mais des fois, ça peut être lourd pour le cerveau de quelqu'un. Alors, pour conclure sur le choix des tableaux, qu'est-ce que nous devons retenir? Que nous devons réduire l'emphase sur les éléments de support. Très important. Ce sont les traits de séparation dont nous nous sommes débarrassés. Utiliser l'alignement et les espaces pour faire des regroupements, comme ici. Aligner les données à gauche et les catégories à droite. Cela va de soi d'une manière. Mais des fois, nous faisons l'erreur de ne pas le faire. Donc, les données ont été alignées à gauche. Il fait que, par exemple, la centaine ici déborde sur ceux qui n'ont pas de centaine. Et minimiser l'utilisation du gras. Bien important aussi, minimiser l'utilisation du gras. Voilà ce que nous pouvons retenir à ce stade-là sur le choix de la conception des tableaux.
Alors, si nous passons à la conception des graphiques, qu'est-ce qui peut orienter notre choix de tel ou tel graphique? Par exemple, nous allons voir quatre exemples. D'abord, le nuage de points. Est-ce que nous voulons faire ici, par exemple, notre business analyst nous montre la corrélation qu'il y a entre la réduction que nous accordons au client et notre marge de profit. Alors, ça veut dire que si nous avons à communiquer une information en rapport avec, pour mettre en évidence la corrélation entre deux variables, notre meilleur choix doit être le nuage de points. C'est clair. Parce que nous voyons ici, par exemple, qu'il y a une corrélation claire entre les deux variables. Alors, pour continuer, les courbes, les graphiques que nous utilisons le plus souvent, les courbes sont utilisées pour représenter des données ou des variables continues. Ça veut dire qu'il y a une relation entre les variables et représenter leur évolution dans le temps. Elles peuvent être à série unique ou bien à série multiple. Donc, on ne va pas nous attarder sur les courbes parce que tout le monde sait comment on l'utilise. Les graphiques à barre verticale. Donc, ils permettent de montrer différentes catégories de données et de les comparer. Il n'y a pas de relation entre les catégories. Ici, par exemple, il y a trois variétés de cacao. Il n'y a pas de relation entre ces variétés-là. Il n'y a pas de continuité comme ce qui est représenté dans le cours. Donc, elles peuvent également être à multisérie. La même chose pour le graphique à barre horizontale. Donc, il y a la même utilité que le graphique à barre verticale, avec l'avantage principal ici, qu'il permet la lecture naturelle de gauche vers la droite et permet également d'ajouter plusieurs catégories à ce graphique-là. Voilà les choix. Les critères qui doivent nous guider dans le choix des différentes catégories de graphiques. J'imagine que certains doivent se poser la question, j'utilise des graphiques que je ne vois pas dans le choix. Alors, ne vous inquiétez pas. En général, quels sont les graphiques que nous utilisons? Le graphique en camembert ou le graphique en beignet? Je vais commencer par le graphique en beignet. Pour les besoins du graphique, j'ai ajouté deux catégories. Ceux qui sont dans le café et cacao, excusez-moi, hein, j'ai mis une variété Abidjanos, du nom d'Abidjan et scénario à partir de mon prénom. Donc, vous allez m'en excuser. Alors, qu'est-ce que la communauté des data analysts ou bien l'orthodontie ou bien un peu ce qui est généralement approuvé recommande? Ils disent que ce graphique ne donne aucune information, à part le fait que le total fait 100%. Parce que, par exemple, à part la variété Abidjanos, où nous voyons tous que elle est inférieure en termes de poids par rapport aux autres, nous ne pouvons pas déterminer le poids des autres, qu'est-ce qui est plus grand que lequel. Et pour ceux qui seraient tentés de dire, on peut juste ajouter les étiquettes de données, en le mettant en rapport avec le caractère de simplicité, ajouter des étiquettes de données ne fera que faire surcharger ce graphique-là. Alors, qu'est-ce que la communauté propose? C'est que si vous avez des données comme ça, il vaut mieux utiliser un graphique à barre horizontale. Et que si votre intention est de mettre en évidence les 100%, vous pouvez juste mettre les 100%. Voilà. Pour le second graphique, le graphique en camembert. Pour contrebalancer l'idée qu'il y a eu avant, j'ai bien mis les étiquettes. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme critique? Qu'est-ce qu'ils apposent comme critique ici? Ils disent que, et c'est tout à fait normal, que vous êtes obligé de vous balader, vous recherchez Criolos, vous venez retrouver son carré de pizza et son morceau de pizza ici. Vous repartez, vous revenez et que vous êtes obligé de faire le tour pour revenir chercher l'information. Et que pour présenter une information comme ça, le meilleur choix pour vous, c'est de le faire tout simplement dans un tableau. Simplement. Alors, voilà un peu
les critères qui doivent nous guider dans le choix de nos différents tableaux ou graphiques. Maintenant que nous avons fait le choix, il faut que nous prenions soin de notre graphique. Il faut que le graphique arrive à véhiculer le message que nous voulons passer. Ceci nous amène à la quatrième partie de notre présentation, qui est comment ordonner la visualisation. Alors, ici, nous allons introduire des concepts. Comme je l'avais dit avant, nous allons voir deux parties théoriques, une partie pratique. Nous revenons un peu encore dans la théorie. Alors, pour introduire les concepts, je vais introduire d'abord trois affirmations. Le premier, notre attention est plus portée sur les choses familières. Nous voyons mieux ce que nous connaissons déjà. La deuxième affirmation, nous ne pouvons pas ingérer tout ce que nous regardons. Nous pouvons regarder un paysage, mais tout ce qui est dans le paysage, nous ne pouvons pas l'accumuler dans notre cerveau au même moment. Et la troisième affirmation, les principes de Gelstad dirigent notre attention. J'en ai parlé. Quand il y a eu l'espacement dans le tableau, nous allons aller un peu dessus ici. Alors, nous sommes tous une fois tombés sur une présentation avec des graphiques surchargés en nous disant, bon, c'est vrai que c'est bien fait, mais quelle information est-ce que je suis censé en tirer? Ça doit nous être déjà arrivé. Ou bien, des fois, nous sommes perdus entre ce que le présentateur dit et ce que le graphique essaie de communiquer pour découvrir que nous ne pouvons pas faire les deux à la fois. Alors, c'est ici qu'entre en jeu le concept de charge cognitive. La charge cognitive, alors, c'est quoi? Elle se réfère à la quantité de travail que le cerveau doit effectuer pour accomplir une tâche donnée. Alors, elle dépend donc de la quantité et de la complexité de l'information à traiter, de la capacité de la mémoire de travail, ainsi que de l'expérience et des compétences de la personne qui effectue la tâche. On est d'accord. Lorsque la tâche requiert une charge cognitive élevée, cela signifie que la personne doit utiliser davantage de ressources mentales pour accomplir la tâche, ce qui peut entraîner une certaine fatigue mentale, une diminution de la performance. Alors, notre idée dans cette session, dans la suite logique de la réduction d'encre sur les supports de données, c'est de comprendre le fonctionnement du cerveau humain pour réussir à en tirer un avantage, pour minimiser la charge cognitive pour notre audience en éliminant les informations superflues qui peuvent surcharger nos graphiques. Alors, comme notre fil conducteur l'a dit, c'est que nous devons rechercher la clarté et la simplicité pour laisser nos données s'exprimer. Il s'agit ici beaucoup plus de techniques, cherchant à comprendre comment la mémoire visuelle du cerveau fonctionne pour en tirer le meilleur parti dans la conception de nos graphiques. Alors, pour ce faire, nous allons d'abord nous livrer à deux expériences visuelles que je vais vous demander de faire avec moi. Et dans ces deux expériences-là, nous allons voir ce que c'est que le traitement préattentif qui vise à réduire la charge cognitive. Alors, la première expérience, je vous montre cette image-là. Il s'agit d'une grand-mère qui est en train de tricoter et je vous dis qu'il y a un objet caché sur cette image. Il y a un objet caché sur cette image. Bien évidemment, attention, ce n'est pas un exercice d'intelligence. C'est un exercice de vision, ce n'est pas un exercice d'intelligence. Il est possible que vous l'ayez déjà vu ou pas encore. Et donc, il n'y a rien de dire que je ne l'ai pas vu ou pas. Alors, vous regardez l'image pendant quelque temps. On est toujours ensemble? Oui. Okay, 5 parfait. Sur 5. D'accord, voilà. Et après avoir regardé cette image-là, je vous remets une autre image. Je remets cette image-là que je vous laisse regarder pendant 30 secondes aussi également. Alors, après avoir regardé cette image-là, je vous remets cette image-là. Est-ce qu'il y a une différence? Je veux voir deux personnes s'exprimer. Est-ce qu'il y a eu quelque chose que vous avez trouvé de différent? Est-ce que vous avez trouvé l'objet qui est caché? Si vous ne l'aviez pas trouvé avant.
Je peux dire oui, parce que sur la première image, on a énormément de couleurs, donc l'objet caché se confond dans le décor. Mais après visualisation de la deuxième image, on arrive à faire le focus sur les couleurs qui sont similaires à la deuxième image pour retrouver l'objet caché. Quelqu'un voulait faire une autre intervention? Le nombre de personnes sur la photo derrière la grande mère, ça peut Le... être quoi? Le nombre de personnes sur la photo derrière la grande mère, je ne sais pas. Ah, OK. Alors, qu'est-ce qui a été fait? En commençant cette session, nous avons dit que nous voyons plus facilement ce que nous connaissons déjà, les choses qui nous sont familières. Alors, qu'est-ce que cette image a aidé à faire ici? Dès que vous avez vu l'image du ballon, vous l'avez gardée en tête et ça permet de regarder, par exemple, votre cerveau regarde plus vite qu'il y a un ballon, par exemple, caché ici. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que le fait d'avoir gardé l'image là permet de retrouver la forme, comme Nadège l'a dit, permet de retrouver la forme plus facilement. Et c'est ça qu'on appelle le traitement visuel préattentif. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été mis dans votre cerveau qui fait que l'information qui est à traiter ici est traitée plus rapidement. Nous allons passer à une seconde expérience. Regardez cette suite de chiffres. Alors, je pose une question. Combien de fois le chiffre 7 apparaît dans cette suite? Peu importe si vous l'avez trouvé ou pas, une chose est sûre. C'est difficile à faire. Difficile dans le sens que il vous faut, voilà, il vous faut un peu d'effort. Mais supposons par exemple que je passe à ça. Il s'agit de la même suite de chiffres. On est d'accord que vous mettez moins de temps pour trouver que dans la première partie. C'est vrai, on est d'accord, non? Voilà, parce que une primeur vous a été donnée. La charge cognitive a été réduite ici pour vous permettre de vite trouver ce qui est important pour vous à trouver dans. Bon, c'est vrai que ce sont des concepts, mais quand on va aller dans la pratique, vous allez voir en quoi ça peut être utile dans la visualisation des données. Alors, nous avons parlé aussi du principe de Gelstad. Alors, je pose une question. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Moi, je vois plusieurs points noirs en mouvement. Mais qu'est-ce que vous voyez? Un chien. Moi, je vois un chien en mouvement. OK. Un chien en mouvement aussi. D'accord. Un chien en mouvement. Eh bien, comment faites-vous voir un chien alors que les contours n'ont pas été dessinés? Parce qu'on est d'accord que les contours du chien n'ont pas été dessinés. On est d'accord, non? Ceux qui ont dit qu'ils voient un chien. On est On d'accord. est totalement d'accord, mais je Voilà. pense que Parce que, oui, ça vas-y. fait référence à ce que notre cerveau a capté comme information. OK. Les couleurs, les points noirs sur les fonds blancs font référence à une race de chien en particulier. Donc on se dit forcément, vu le truc, ça doit être forcément un chien. OK. Alors, c'est sur cette base que se fonde le principe de Gestalt. Le principe de Gestalt, ça, c'est une école. On ne va pas développer ça ici. Ce que je vais vous encourager, c'est après la présentation, vous allez dans votre moteur de recherche préféré, vous tapez le principe de Gestalt. Il y a toute une panoplie d'informations dessus. C'est beaucoup utilisé dans le design graphique. Alors, qu'est-ce que le principe dit? Ça a été théorisé en 1920 par Max Vertemer, Wolfgang Köhler et Kurt Kafka. C'est des Allemands, c'est une école allemande. Alors, on l'appelle la théorie de la forme. Elle vise à identifier une forme qui cherche à émerger d'un fond, comme Nadège vient de le dire. Et la théorie émet l'hypothèse qu'un humain tend à organiser des éléments visuels en un tout unifié quand certains principes s'appliquent. Alors, les principes qui s'appliquent quand on tend à faire ceci, c'est le principe de continuité,
le principe de similarité, le principe de clôture, le principe de proximité, le principe de symétrie ou le principe de figure fond. Ça, c'est le principe de figure fond qui est illustré ici. Alors, voilà donc un peu pour ce qui concerne la théorie. Nous allons voir deux exemples pratiques de visualisation ordonnée, parce que le titre de la session, c'est ordonner la visualisation. Même si on a dit qu'elle sera théorique, on va voir deux exemples pratiques. Alors, un graphique. Nous avons ici l'évolution mensuelle de notre chiffre d'affaires sur 3 années. Ce graphique a été réalisé pour nous faire comprendre l'information, pour nous faire passer l'information sur l'évolution de notre chiffre d'affaires sur les 3 années. Alors, si on propose cet autre graphique qui présente exactement la même information, il s'agit exactement de la même information. Alors, est-ce que nous pensons que la charge cognitive nous a été allégée? Est-ce que nous avons été primés? Sachant que nous sommes en 2023, c'est l'information de 2022 qui nous est importante. C'est elle que nous voulons voir. Et sans pour autant occulter les 2 années précédentes. Alors, qu'est-ce qui est reproché au premier graphique? C'est, j'ai fait exprès d'utiliser le gris ici, parce qu'en général, qu'est-ce que nous voyons sur d'autres graphiques? Ça aurait pu être du vert. Les 3 couleurs vont nous appeler. Et ici, par exemple, nous naviguons entre les courbes et les couleurs et la légende pour voir c'est quelle année. Cette année correspond à quelle couleur? Ici, par exemple, l'information nous est donnée de façon claire et lisible et nous captons vers où on veut diriger notre attention. Bien évidemment, un peu de contexte, tout ce qui a été fait comme graphique dans cette présentation a été fait en Excel. Mais bon, il y a des données, des outils comme Power BI ou comme Tableau qui permettent de faire la même chose, peut-être même un peu mieux. Donc, il n'y a aucune excuse à dire que peut-être on ne peut pas faire ce genre de choses. Maintenant, ce qui importe, c'est d'avoir le principe, de connaître le principe et de voir comment le traduire dans la réalité. Alors, un autre exemple. Par exemple, nous avons 6 variétés dont nous voulons présenter, par exemple, le chiffre d'affaires comparatif entre 2 années, 2021 et 2022. Alors, une autre façon de présenter la même information est ici. Alors, qu'est-ce que nous voyons? L'information de 2021, sans pour autant être occultée, ne nous frappe pas à l'œil. Alors qu'ici, par exemple, les couleurs sont beaucoup plus frappantes. Et une astuce que je vais partager avec vous, j'ai fait exprès de laisser beaucoup plus d'espace ici, qui est le double de la largeur des barres. Quand vous présentez des graphiques à barre, l'espacement entre 2 graphiques doit être le même que la largeur du graphique. L'espacement doit être le même que la largeur des barres. Ça, c'est une convention généralement acceptée. Ça permet d'apporter une certaine harmonie dans la présentation du graphique. Voilà un peu en termes d'exemples ce que nous pouvons faire sur les graphiques et les courbes, par exemple, en termes d'ordonnance, dans cette optique d'ordonner la visualisation. Alors, nous allons aller sur notre 5e partie. Cette 5e partie, elle va être essentiellement pratique. Alors, nous arrivons en fin d'année, nous avons nos produits que nous vendons. Je précise que dans cette partie, nous allons passer en revue tout ce que nous allons utiliser, tout ce que nous avons appris au cours de la présentation. Nous allons l'utiliser dans la démonstration pour voir comment nous pouvons faire passer un message à travers, raconter une histoire à travers une visualisation. Nous arrivons en fin d'année et notre business analyst nous présente ce graphique qui montre la variation du chiffre d'affaires en pourcentage entre 2021 et 2022. Sur nos différents produits, les différentes variétés de cacao et de café que nous vendons. Nous voyons par exemple pour le Red Honey que
Le chiffre d'affaires a diminué, je vais dire, de 8 ou 9%, alors qu'au même moment, pour Forestarios, le chiffre d'affaires a augmenté de 12%, par exemple. Nous sommes ensemble? Oui, Thanks oui. OK, for parfait. Parfait. OK. Donc, voilà ce qui nous a été présenté. Mais comment peut-on raconter une histoire avec ce graphique-là? Alors, nous commençons. Nadège, après être allé dans ses cours de data storytelling, nous est revenu d'abord avec ceci. Excusez-moi. Hein. Est-ce que tout le monde voit? Elle On nous est suit. revenue avec ceci. Alors, qu'est-ce qui nous est dit ici? D'abord, il y a un titre qui est revenu, qui est mis en avant. Baisse de nos revenus sur les variétés de cacao produites au nord. Nous savons déjà vers où on veut nous envoyer. Alors, le test dit que nous avons enregistré une régression du chiffre d'affaires de 4,9% en moyenne sur les variétés de cacao cultivées au nord. Il continue en disant que ceci est dû à la situation sécuritaire dans la zone. La tendance devrait s'inverser dès la fin de ce premier trimestre. Alors, nous regardons le graphique. Tout ce qui n'est pas important pour nous a été mis en arrière par le gris. Et on nous met en évidence le Red Honey, le Nialu, le Conilon, le Kourou et le Pacamara, qui sont des variétés produites au nord. On dit que la moyenne de la baisse de notre chiffre d'affaires sur ces variétés-là sont de 4,9%. Et voici le contexte et voici ce à quoi nous devons nous attendre. Alors, est-ce que ça nous parle en comparaison avec ceci, par exemple? Est-ce qu'il y a une évolution? Clairement, il y a une évolution. OK. Alors, elle ne s'est pas arrêtée là. Un autre titre, consolidation de la hausse de nos parts sur le marché de l'Arabica. Le test nous dit que 9,8% de revenus ont été engrangés de plus sur le marché de l'Arabica et que ceci confirme la tendance déjà observée en 2020 due à une hausse globale de la demande. 15 nouveaux producteurs éco-certifiés intègrent notre pool de fournisseurs mi-mars. Alors, qu'est-ce que on a déjà fait ici? Les trois variétés là qui ont eu de très grandes variation positive du chiffre d'affaires est passée, elle est partie. Elle nous dit que ces variétés-là, parce que je remets en contexte, il y a le cacao, il y a le type et il y a les variétés. Donc, elle nous dit que ces trois types-là font partie du type Arabica. Donc, il y a une augmentation de la demande sur le marché de l'Arabica. Donc, c'est ce qui explique cette tendance-là qui a déjà été observée en 2020, mais elle est allée plus loin, en disant que 15 nouveaux producteurs éco-certifiés intègrent notre pool de fournisseurs d'ici fin mars. Nous, en tant que décideurs, qui sommes assis, à qui elle est en train de présenter l'information, nous savons déjà que si demain, on nous présente un plan d'investissement pour ces nouveaux producteurs-là, nous avons déjà été primés, nous avons déjà eu la primeur de l'information par rapport à ce qu'elle nous a été présenté, parce qu'elle est partie chez les prospecteurs, les commerciaux, rechercher le fond de l'information aussi. Oui, d'accord. Mais comme Nadège tient à bien faire son travail, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle nous remet encore ici pour dire que abandon progressif de la commande des variétés hybrides. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que ces variétés-là, en rouge ici, SL28, SL34, Guimet, Kachimon, Kata, sont des variétés qui font partie de ce que nous appelons les variétés hybrides. Elle nous dit que nous avons obtenu 5,4% de baisse sur le marché de ces variétés-là. Alors qu'au même moment, nous avons enregistré 6,8% de hausse sur les anciennes variétés de Typica, dorénavant plus prisées en Asie. Elle est partie plus loin dans son analyse en prouvant que, ah, ce sont les mêmes clients-là qui achetaient les variétés hybrides avant, qui se sont maintenant reversés sur les variétés de Typica. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'un abandon progressif de la commande des variétés hybrides est à considérer si cette tendance se confirme chez nos clients asiatiques. Ça veut dire qu'elle suggère une action
n'avons pas à racheter encore des variétés hybrides qui seront invendues, alors qu'au même moment, les clients à qui nous les vendons ont fait un changement dans leur habitude de consommation. Alors, je reviens un peu en arrière. Nous sommes partis d'ici. Tout le monde voit comment, sur ce seul graphique, le contexte nous a été donné en trois points. On est ensemble? Oui, nous sommes là. OK, parfait. Donc, voilà un peu, c'est ici que nous allons atterrir un peu. Voilà un peu comment, en utilisant une combinaison de toutes les techniques-là, vous pouvez raconter une histoire avec vos données. Ceci met fin à cette cinquième partie sur le comment diriger l'attention en racontant l'histoire. En sixième partie, pour approfondir ce que je vais recommander comme lecture, le premier, c'est Storytelling with Data. Ce livre est ce qu'on appelle un must read. Vous devez absolument le lire. Pour tous ceux qui veulent travailler dans les données, raconter une histoire, ce livre est à lire. Ceux qui veulent faire une présentation, vous devez lire Raisonnette. Ce sont ces deux livres-là, sont très, très, très importants. Show Me the Number de Stephen Fay aussi. The Visual Display of Quantitative Information, ça c'est la base de tout ce qu'il y a comme visualisation, tout ce qui est écrit autour de dans le domaine se base sur ce livre. Et enfin, Beyond Bullet Points de Cliff Atkinson, que je recommande aussi. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas quoi dire, tout ce qu'il y a d'intéressant est généralement en anglais. Donc, on est obligé de faire avec. Alors, quelque part dans le cours de la présentation, j'ai dit que on va atterrir très bien parce que vous êtes dans de bonnes mains. Alors, nous allons atterrir avec cette pensée-là de Antoine de Saint-Exupéry, le père de l'aviation moderne. C'est vrai qu'on n'attend pas à avoir un aviateur dans la présentation des données, mais il dit « La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. » Je crois que cette pensée rejoint largement ce qui est dans la pensée qui nous sert de fil directeur. Ça veut dire que quand vous regardez votre courbe, pensez plutôt à ce que vous devez retirer dedans pour que ce soit plus beau, et non pas à ce que vous devez y rajouter. Alors, merci. Merci à tous. Voilà.